aucun n'échappera. Comme quelqu'un disait, guerre mondiale. Regarde comment quelqu'un raisonne. C'est toute la surface de la terre. On vient de vous fabriquer Satan 2 qui peut aller du pôle nord au pôle sud à une vitesse de. Est capable de raser un pays comme la France 2000 fois Hiroshima. Et toi, tu dis que c'est Taliban. Comment sera le monde de demain? Vous verrez dans les billets de. Il y avait déjà même les signes des attaques de deux tours de World Trade Center dedans. Alors que le dollar existe depuis. Donc rien n'est un sujet du hasard. Et si tu te lèves le matin, on vous dit un certain Oussama Ben Laden. On le médiatise à outrance, puis à la fin on vous dit on l'a tué. Personne ne peut vérifier cela. Et le monde entier accepte à créer un autre diable. Rien n'est le sujet du hasard. Nous sommes au temps où Rome doit reprendre son influence spirituelle et politique comme du temps de César. Elle n'est pas loin de ce qui se passe en Ukraine. Puisque lors de la première venue de Christ, c'est Rome qui régnait sur la Palestine. Il est écrit, lors de sa seconde venue, Rome sera toujours là. Puisque c'est des Romains qui l'ont crucifié et percé les côtés. C'est la lance des soldats romains qui a percé les côtés du Seigneur. Et vers son avènement, Rome se chargera aussi à persécuter les saints. Et c'est pour cela qu'il est en train de préparer cette contrefaçon de l'église corps de Christ appelée écuménisme. Puisque nous parlons de la prophétie des nations, Rome est en train de préparer maintenant, en train de chercher à affaiblir toutes les nations qui mettent les bâtons dans ses roues de l'accomplissement de son rêve de diriger la terre. Malgré sa chute, Empire romain d'Orient, Constantinople, 1413, malgré la chute de l'Empire romain d'Occident, en 476, mais il y a quelque chose de Rome qui est resté en train de gérer les administrations du monde, la mode de gestion de la société, des res publica, jusqu'aujourd'hui, c'est le système romain. C'est pour cela que partout dans le monde, surtout le monde occidental, il y a des postes clés dans les gouvernements qui ne seront gérés par les anciens petits ou grands, justice, intérieur, finance. Les dollars est américain, forcément anglophone. Comment expliquer que les écrits soient en latin? Anuit coeptis. C'est-à-dire que notre projet sera couronné du succès. Et en bas, nous ordo seculorum. Nouvel ordre pour des siècles, donc nouvel ordre mondial. Donc ce que nous mettons en place ici, c'est pour mettre de l'ordre dans le futur. Et comment? La monnaie américaine reçoit des écrits en latin. Dans vos expressions littéraires, juridiques, vous utilisez le latin. C'est afin que tu connaisses, tu comprennes que tout chemin mène à Rome. Même si on a affaibli la statue, les racines sont cassées. La quatrième bête de Daniel, il est resté quelque chose de lui qui contrôle, qui gère, qui vous dirige, que vous le vouliez ou non. Quand les conflits sont créés, les gens se tuent, ils iront à gauche et à droite, ils préparent les rencontres. Donc ils ont toutes les branches. Au sommet de la pyramide, vous voyez un triangle. D'ailleurs, c'est l'un de leurs grands symboles. Vous verrez des triangles partout. Dans certaines architectures, vous verrez des triangles de manière claire. Vous verrez même certaines célébrités qui ont marqué un but. Ils font un signe des pyramides, des triangles. Mais on vous fait croire que c'est le signe de cœur. Ce sont leurs adeptes qui sont chargés de rendre visibles les programmes de l'ordre mondial. C'est au sommet de la pyramide. Vous voyez l'œil. L'œil, c'est l'œil de Lucifer. Ils appellent ça l'œil du grand architecte. L'œil de celui qui connaît et qui voit. Et c'est pour cela, vous qui ne connaissez pas ce qui se trame, ils vous prennent pour des idiots. Parce que leur credo, c'est tout connaître pour manipuler l'être humain. Et au sommet de cette pyramide se trouve ce club de personnes dont je t'ai parlé. Il y a dans le monde spirituel les secrets, les mystères, les codes, les chiffres. Quand tu le vois à l'introduction de son ministère, il fait allusion à Élie qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et Christ a fait 33 ans et son ministère a fait 3 ans
Edemi. Il envoyait déjà un message pour comprendre que depuis que je suis ici, maintenant que je viens de commencer le ministère, le ciel est fermé. Personne ne pourra parler parce que moi, la parole, je suis là. Parce que la parole, c'est l'eau. Et ces gens-là jouent beaucoup avec le chiffre. Leur chiffre préféré, c'est le 3, c'est le 8, c'est le 9, c'est le 11, c'est le 40, 44, c'est le 80, c'est le 110. La plupart des grands événements, même les avions qui tombent, trains qui déraillent, les soi-disant catastrophes, quand vous suivez de près, soit c'est les solstices d'hiver entre décembre jusqu'à mars, ou soit c'est un certain 9-11 dans mon World Trade Center, soit un certain 8 mars ou un certain 1er mai. Parce que toutes ces dates-là, c'est eux qui vous les donnent. Bien-aimés, nous connaissons le Dieu qui opère des miracles, qui nous guérit et qui nous délivre. Et nous le remercions infiniment. Nous pouvons l'acclamer pour ça. Mais celui que nous avons ignoré, c'est celui qui revient bientôt nous chercher. Celui-là, nous l'avions ignoré. De même qu'il a compris la parole évangélique, nous sommes guéris, nous témoignons, et même aussi la parole prophétique est en marche. Alléluia.